Elisabeth y en vacances à Balmoral, à quoi ressemble son quotidien / point d'interrogation. Un quotidien très simple. C'est le lieu de villégiature idéal pour Elisabeth y. Tous les ans, pour les vacances d'été, la reine d'Angleterre et son mari, le prince Philippe, s'échappent en Écosse. Direction le château de Balmoral. Au minimum de mi-juillet à septembre. L'occasion pour la reine de prendre un grand bol d'air. Et de se reposer de ses obligations de souveraine. Elle y est d'ailleurs apparue toute souriante après ses petits ennuis de santé. Mais surtout, elle y est très bien entourée. Kate Middleton et le prince William y séjournent depuis leur retour de l'île Moustique et dans Méhol. L'occasion de découvrir la duchesse de Cambridge toute bronzée et de voir le prince George faire ses premiers pas de chasseur. En effet, aux grandes dames de Meghan Markle, la chasse fait partie des traditions de Balmoral. La nouvelle membre de la famille royale qui figurerait déjà sur le testament d'Elisabeth y et le prince Harry ont également fait un passage à Balmoral. C'est le plus bel endroit sur Terre, assure la princesse Eugénie, dans un documentaire diffusé pour les 90 ans de la souveraine, intitulé Urkina Ninoti. Et de développer, je pense que mamie est la plus heureuse ici. Je pense qu'elle aime vraiment les Highlands. Celle qui s'apprête à se marier y décrivait également le quotidien de la famille royale. Promenade, pique-nique, chiens, beaucoup de chiens, il y a toujours des chiens et des gens qui entrent et sortent tout le temps, détaillait Eugénie Dior. La gouvernante de Balmoral, Shona Stuart, en a dévoilé un petit peu plus au cours de l'émission Coup un trifil sur BBC One. Le duc d'Édimbourg, soit le prince Philippe, ND et LR, cuisine, tandis que la reine met la table. Il n'y a pas de personnel qui sert, assure-t-elle. La vie à Balmoral semble donc beaucoup plus simple qu'à Kensington où tous doivent suivre les rigides règles du protocole. Même Elisabeth y est plus détendue. Thank you.